Il y a désormais un enfermement addictif. On peut parler de drogue, de nouvelle guerre de l'opium. Impossible d'inverser la tendance, on ne peut que la corriger. Les résultats de la nouvelle étude sur les jeunes et la lecture sont préoccupants. Les jeunes français consacrent 10 fois plus de temps aux écrans qu'à la lecture. Si 84% des jeunes lisent pour l'école, leurs études ou leur travail, c'est dans leur vie personnelle que les chiffres s'écroulent. Beaucoup d'initiatives ont été mises en place pour enrayer ce phénomène. Nuit de la lecture, passe culture, le quart d'heure de lecture, festival littéraire, il n'empêche, les 7-19 ans passent 3h11 sur les écrans par jour en moyenne, un temps qui ne cesse de s'allonger avec l'âge. Et quand les jeunes lisent pour le plaisir, ils se tournent vers les BD, les mangas et les comics. Le roman est à la 3e place seulement. Plus étonnant encore, un jeune lecteur sur deux fait autre chose pendant ses lectures. 39% envoient des messages, 34% regardent des vidéos, 31% vont sur les réseaux sociaux. Résultat, il est devenu presque impossible de se concentrer. D'après l'étude, plus de la moitié est incapable de lire plus de 30 minutes sans s'arrêter, 19% ne pourraient pas poursuivre leur lecture au-delà de 15 minutes. D'autant plus que les adultes aussi doivent être exemplaires en décrochant de leurs écrans. Le goût de la lecture se transmet, il s'apprend, la santé de l'enfant est aussi culturelle. Ainsi, 18% des jeunes déclarent qu'aucun de leurs parents ne lit de livres. Quel que soit le milieu social, l'attrait pour la lecture reste le fruit d'un long processus d'imprégnation dans un climat familial qui le favorise.